Alors bonjour tout le monde, on se retrouve sur ma chaîne cette fois-ci pour une petite vidéo sur le grenier. Donc nous commençons bientôt les travaux du grenier comme vous le savez. Et avant de commencer, je voulais absolument vous faire un petit topo des pièces qu'on allait faire, etc. De la grandeur des pièces, de l'escalier, de ce qu'on a prévu tout simplement dans le grenier. Alors le grenier, c'est la deuxième partie des travaux de la maison. Comme vous le savez, ça fait 2 ans qu'on a acheté cette maison. On a rénové tout le rez-de-chaussée. Je vais remettre la vidéo en barre d'infos où je vous fais un petit topo du rez-de-chaussée ainsi que les petits pépins qu'on a eu juste en bas. Et avant ça, en fait, voilà, maintenant on passe à la deuxième phase de cette maison, c'est-à-dire le grenier. Et donc on va directement en haut, c'est parti. Hey, vous vous rappelez de moi? Oui, là c'est moi, c'est Najwa. Une nouvelle maison veut dire une nouvelle étape de notre vie et de nouvelles aventures. On va pas se réjouir trop vite car la fête n'est pas pour maintenant. Nous avons des projets très ambitieux pour cette maison. On veut tout, tout, tout refaire. Je crois que vous l'avez remarqué aux images, il faut tout, tout remettre au goût du jour. Je vais partager avec vous tous les travaux, étape par étape. Je fais donc place à une nouvelle série sur ma chaîne qui va s'appeler La maison de mes rêves, mais après les travaux. Alors comme vous le voyez, ici a été posé l'escalier. Rien que l'escalier, c'est toute une histoire parce qu'on ne savait pas du tout où on allait le poser. On a vu plein d'architectes pour ce projet-ci. Vu que ici, en fait, on a 1,80 m environ de largeur. Donc, c'était un peu compliqué de savoir où on allait poser l'escalier. Finalement, on a décidé de le poser juste ici. À la base, il fallait qu'il aille un peu plus loin, mais en faisant le trou, c'est pour ça que je dis que des fois on a des projets, mais il y a des projets qui doivent être changés parce que c'est juste comme ça. On fait des petites découvertes. On a fait une découverte qu'il y avait une poutre métallique placée juste ici, donc en fait on pouvait pas aller plus loin. Donc à la base l'escalier, donc le trou devait arriver un peu plus loin, juste ici, pour pouvoir commencer à ce niveau-là. Donc au niveau de la porte du salon, juste ici. Mais comme je vous l'ai dit, donc ici on a trouvé une poutre métallique, donc l'agencement de l'escalier va rester à gauche, mais il va légèrement changer. Donc il va aller tout droit comme ça, et puis il va tourner vers la droite juste en haut. Donc là vous voyez que la sortie est tout droit, donc la sortie de l'escalier tout droit, en fait elle sera pas ici la sortie, elle sera plutôt ici. Donc l'escalier va tourner comme ça et on sortira par là. Donc je vais monter l'escalier et je vais vous montrer par après au-dessus où on en arrive. Alors là maintenant je me trouve en haut. J'espère honnêtement que la lumière sera assez bonne. J'ai essayé d'éclairer avec mon appareil, ma caméra tout simplement. Donc je crois que là normalement ça devrait être bon. Donc là comme vous le voyez, si je regarde vers le bas, en bas je vois la porte d'entrée et je vois que je monte par l'escalier juste ici. Mais en fait, la sortie d'escalier se trouvera pas là, mais juste là. Donc juste ici. Voilà. C'est par là qu'on sortira, par ce coin-ci. C'est par là que je vais sortir. Donc là, comme tu le vois, en fait, je suis montée. Donc je suis montée par l'escalier et je ressors par là. Mais en fait, ça fera un petit tournant et en fait, ça s'arrêtera juste ici. Et donc ici, c'est là que je vais sortir. Ici, ça sera Inch'Allah un petit couloir. Alors ici, on a environ 10 mètres carrés de couloir. Donc ici, ça sera la continuité du couloir qui sera en bas. Comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, mon plan, c'est de faire du paneling. Donc en fait, quand le paneling montera avec l'escalier, il continuera ici dans le couloir. Et donc, ça sera vraiment, il y aura 3 portes où... 3 portes pour chaque pièce, donc 2 chambres et une salle de bain. Et ici je compte en fait mettre, comme vous le voyez, juste le niveau derrière moi, juste ici. Donc ici il y aura des armoires encastrées qui viendront jusqu'ici, vraiment où il y aura plein de rangements. Donc ça s'arrêtera ici et ça ira jusqu'ici environ, où on aura plein de rangements. Alors ici, il y aura une porte vers la plus grande chambre de ce côté-ci. Donc là, on fait face, là, on est dos à l'escalier.
Donc derrière moi, il y aura la sortie de l'escalier. Ici, il y aura, inshallah, donc mes petits armoires encastrées dans le couloir. Ici, il y aura une première porte vers une grande chambre. Et si je reviens dans le couloir et que je me mets de ce côté-ci, juste ici, donc en face de ce fameux armoire encastré qui se trouve derrière moi, il y aura deux portes. Une porte vers la deuxième chambre et puis ici, une porte vers la salle de bain. Voilà à peu près ce que ça donnera juste ici. Alors, le couloir, il est assez grand. C'est ce qu'on voulait. On voulait avoir un grand couloir pour vraiment avoir la continuité d'en bas. Donc, le fait d'arriver en haut dans une pièce qui rassemble toutes les pièces, une pièce qui rassemble toutes les portes. Et on voulait aussi avoir des rangements. Donc, voilà, c'était vraiment idéal. Ici, je pouvais ranger voilà, tout ce qui est valise, etc. Ce sera vraiment la place du couloir ici. Alors, donc, je reprends. Une fois que je suis sortie ici, comme je disais, ici, il y a une porte vers la première chambre. Ici, là, avec la séparation, vous le voyez très bien. Donc, ici, il y aura une première porte vers une deuxième chambre. Et ici, ça sera la salle de bain. Donc, avant de commencer par expliquer ce qui sera dans les chambres, je vais commencer par la salle de bain. Alors, la salle de bain. Il faut vraiment aller très loin pour imaginer. Je peux dire que c'est le truc positif chez moi, c'est que j'arrive à me projeter et imaginer loin. Donc, je vais vous demander de faire la même chose. Je ne vais pas encore dire ici le style que j'ai choisi pour la salle de bain. Alors, si vous me suivez sur Instagram, j'avais montré deux styles. Je vais mettre ici deux images. Donc, le premier style, c'était vraiment un style très parisien, parisien chic, classique. Et le deuxième style, c'était un style marbre. J'ai déjà pris ma décision. Et j'ai déjà regardé, j'ai vraiment fait le choix de tous les meubles, etc. Donc comme ça, je suis vraiment sûre. Il fallait que je le fasse avant qu'ils commencent les travaux. Parce que c'est vraiment très très important pour l'électricité. Il faut savoir où ils vont arriver les lumières, la grandeur des meubles, la grandeur du bain, la grandeur de la douche, etc. etc. Donc on va commencer par la salle de bain. Et je vais vous demander vraiment de vous projeter un maximum. La salle de bain ici, par rapport à celle du bas, donc celle du bas, elle fait environ 5 mètres carrés. Ici, j'ai une salle de bain de 11 mètres carrés, donc doublement grande. Il y aura énormément d'espace entre les choses, donc le bain, le meuble, etc. Donc, c'est ce que je voulais absolument dans la salle de bain du haut, c'est pouvoir respirer et avoir beaucoup plus d'espace. Alors, comme je vous l'ai dit, ici, il y aura donc, la porte va commencer juste ici. La porte s'ouvrira comme ça. Donc la porte s'ouvrira comme ça. Une fois que je rentre à l'intérieur, la première chose que je verrai, c'est le bain juste en face de moi. Alors le bain, il viendra environ de ici à ici, jusqu'à la ligne jusqu'ici. Donc tout ça, c'est la zone du bain. Ici, il y aura un petit WC, juste ici, un WC. Et puis ici, il y aura la douche. Donc quand je vais rentrer, la première chose que je verrai, à ma gauche, c'est la douche et puis les WC. Et en face de moi, il y aura le bain. Et de ce côté-ci, donc ici, juste derrière la porte, il y aura un sèche-serviette. Et juste en face, juste ici, il y aura un grand meuble avec deux vasques et deux miroirs ou bien un grand miroir. Je ne sais pas encore, mais ça se passera juste ici. Et normalement, il y aurait encore tout cet espace au milieu. Donc ça sera pour la salle de bain, Inch'Allah. Donc elle fera environ 11 mètres carrés. Puis, une fois que je ressors, je vais passer par la chambre qui sera des enfants à ce moment-là. Donc on revient vers le couloir. Ça, comme je vous ai dit, c'est la salle de bain. Ce sera vraiment le côté salle de bain. Et puis ici, je vais commencer. Donc l'escalier, comme je vous ai dit, ressort comme ça. Et puis ici, il y aura une porte et ce sera la porte de la deuxième chambre. Donc une fois qu'on est rentré dans la porte de la deuxième chambre, voilà à quoi ressemble la deuxième chambre. Ici, j'ai environ 20 mètres carrés. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ici, c'est la trappe qu'on utilise pour l'instant qui se trouve dans le garage, juste en bas, il y a le garage. Celle-ci va disparaître et je vais vous expliquer ce qu'on va faire ici dans cette chambre. Alors pour ça, je vais revenir vers ici, vers la porte donc. Ici, en fait, comme vous l'avez vu, la chambre, elle est en genre de U. Donc, j'ai une entrée et puis je passe par la gauche et puis j'ai de l'autre côté qui est à droite. Donc, ici,
Il y aura un bureau, peu importe lequel, peu importe, j'ai deux filles. Donc ici, il y aura un bureau. Et puis tout ça ici, ce seront des armoires encastrées. Cette partie-ci, ça sera pour tout ce qui est école, donc livres, etc. Vu qu'il y aura un bureau juste ici. Et puis cette partie-ci, ça sera tout ce qui est dressing pour une des filles. Puisque les lits, en fait, vont se trouver. Alors, donc, pour cette chambre-ci, donc, elle sera pour les deux enfants. Ici, il y aura un lit, juste ici, à la droite de la fenêtre. Donc, il y aura un lit. Comme je vous ai dit, ici, la personne qui va dormir ici, elle aura son dressing juste là-bas. Donc, tout ça sera son dressing à elle, avec des armoires encastrées. Et puis, ici, il y aura une petite table de chevet. Ici, il y aura en dessous de la fenêtre un chauffage. Ici, une petite table de chevet. Ici, un deuxième lit. Et en fait, l'armoire encastrée qu'il y a juste là-bas, c'est exactement la même profondeur que ici. Donc, la deuxième personne, ma deuxième fille, aura son armoire encastrée juste ici. Donc, il y aura deux dressings séparés avec une petite partie bureau juste là-bas. À quoi ça ressemble. Donc, je disais ici, il y aura un premier lit, un petit table de chevet. La personne qui dort ici, elle aura son dressing juste ici. Et puis, ma deuxième fille aura son lit de l'autre côté. Avec sa petite table de chevet vers la fenêtre. Et puis juste ici, ce sera tout son espace dressing. Normalement, comme ici en face, il y aura un chauffage, ici, je pourrais mettre le deuxième bureau. Donc, une des deux aura un bureau juste ici et la deuxième aura un bureau juste là, au mur. Et de ce côté-ci, il y aura une porte pour retourner vers le couloir. Donc, voilà pour la deuxième chambre. En fait, vous le voyez comme ça, mais c'est vraiment énorme. Donc voilà pour la chambre des enfants. Si je retourne vers le couloir, je vais passer ensuite vers ma chambre à moi. Et ma chambre à moi, elle se trouvera juste ici. Donc la porte, il y aura trois portes comme je vous ai dit. Ici, il y aura des meubles encastrés. Ça, c'est le couloir. Et puis ma chambre, elle commencera juste ici. Donc la ligne que vous voyez juste ici, il y aura une porte d'entrée vers ma chambre. Alors voilà pour ma chambre à moi. Celle-ci, elle fera environ 30 mètres carrés. 30 mètres carrés, c'est presque le salon que j'ai en bas. Donc, de nouveau, il y aura plein d'espace. Et ici, il y aura une petite surprise qui n'était pas prévue à la base. Mais comme on a tellement de place, ben on s'est dit pourquoi pas. On s'est dit qu'on allait faire ici une chambre parentale, vraiment une suite parentale avec un dressing. Vraiment un dressing à l'américaine, j'aimerais vraiment faire ça. Ça, je ne sais pas, question budget, on verra bien, mais c'est ce que j'ai comme plan de le faire, que ce soit maintenant, que ce soit plus tard. Ça dépend de combien ça me coûtera, mais donc voilà, que ce soit maintenant ou plus tard, c'est ce que j'ai, c'est ce que je me visionne en tout cas. Alors, il y a deux possibilités. Ou bien, quand je rentre par la porte ici de ma chambre, il y aura de ce côté-ci mon lit, mais là, en fait, le souci, c'est qu'il y aura plein de places et le lit, d'après ce que j'ai pris, si vraiment je prends le plus grand lit qu'il y a, en fait, de mur en mur, j'aurai environ 4 mètres, 4, presque 5, ce qui est énorme. Donc ça, c'est la première chose. Et puis de l'autre côté, ce sera le dressing et puis une petite salle de bain pour la suite parentale. Ou bien, dès que je rentre, ce qui est plus probable, ce qui a l'air plus logique en tout cas, c'est que dès que je rentre par la porte d'entrée, je rentre dans mon dressing. Alors le dressing, il sera en L. Donc il viendra juste comme ça et comme ça, jusqu'à environ la fenêtre. Le dressing, moi je ne mets pas en dessous des combles, je vais aller beaucoup plus loin. Donc ça prendra un peu plus d'espace parce que j'aimerais mettre aussi des choses longues. Et puis au milieu du dressing, il y aura un îlot. Un îlot avec des tiroirs, etc., où je pourrais mettre mes bijoux, etc. Donc ça fera encore plus de rangement. Donc je vais vous montrer comme ça à quoi ça va ressembler. Donc ici, il y a la porte d'entrée. Et puis dès que je rentre, je vais en fait voir le dressing qui passera en L, juste comme ça, avec un îlot juste ici. Et si je me tourne vers ce côté-ci, donc ça c'est la deuxième option, c'est que le lit se trouve juste ici. Alors je ne sais pas si vous vous voyez, mais c'est vraiment énorme, hein. Donc je vais me mettre là-bas, juste pour que vous voyez à quoi ça ressemblera, mais l'espace ici, il est énorme. Donc imaginons que le lit vienne ici. Alors on a mis deux petits trous. Donc ça c'est vraiment un lit de 1,80 m, donc d'ici à ici. Donc ici, il n'y aura pas de meubles encastrés, hein. Ce sera juste comme vous le voyez juste ici.
et le meuble ira juste en dessous. Si je me mets juste ici, donc imaginons que je suis assise de mon côté sur le lit, vraiment, c'est une très grande pièce. Donc là-bas, en face, il y aura mon dressing. Ici, il y aura une petite salle de bain parentale, juste derrière la salle de bain, la grande salle de bain de 11 mètres carrés. Mais c'est vraiment énorme. Donc ça, c'est probablement l'option qu'on va choisir. Donc que le lit soit ici et puis qu'il y a une grande table de chevet là-bas de chaque côté, donc à gauche et à droite. Alors le lit va se trouver juste ici. Vous voyez les deux petits trous, c'est 1m80, c'est environ le lit qu'on aura. Donc ici, il y aura une petite table de chevet. Et si vous vous rappelez bien, la salle de bain là-bas, elle est juste là-bas. La salle de bain, donc si je reviens par ici, je reprends la porte, j'arrive au couloir et je retourne vers la salle de bain. Eh bien ici, on a eu l'idée de rajouter une toute petite salle de bain juste ici. Donc en fait, le meuble arrivera ici. Donc le meuble avec les doubles vasques arrivera juste ici, avec cette ligne ici. Donc nous, on s'est dit qu'on allait mettre une cloison juste ici. Et en fait, quand je vais rentrer, imaginons que je suis dans ma chambre, donc j'aurai une petite porte juste ici, une porte coulissante plutôt. Et puis par là, il y aura la douche, une petite douche avec une colonne de douche. Juste ici, il y aura un meuble. Donc ici, il y aura une cloison. Derrière la cloison, il y a le meuble double vasque. Ici, il y aura un petit meuble, le même meuble, mais avec une vasque. Donc normalement ici, c'est encore en discussion si on va rajouter une toilette ou pas, mais probablement pas. Il y aurait normalement juste un meuble vasque et une douche, vraiment pour faire suite parentale. Et je crois que je vais faire vraiment les deux salles de bain identiques, donc les mêmes meubles, les mêmes robinetteries, le même style pour pas faire trop d'informations. Donc voilà, ça sera vraiment une chambre parentale qui sera énorme. Si je me remets de ce côté-là, alors là, c'est la fenêtre. Donc comme je vous ai dit, ici, il y avait le dressing. Ici, à droite, il y a le dressing. Ici, à gauche, il y a le lit avec une petite salle de bain parentale. Et ici, je compte mettre un petit bureau juste en dessous de la fenêtre, vraiment pour avoir aussi un coin home working pour moi, puisque mon mari et moi, quand on a remarqué quand on travaille dans la maison tous les deux, c'est très compliqué. Donc je crois que je vais mettre moi mon bureau juste ici. Et il y aura un petit chauffage juste ici, puisque nous, honnêtement, on n'aime pas, on chauffe très rarement notre chambre. Donc ou bien il y aura un petit chauffage juste ici, ou bien ce sera un grand juste en dessous de la fenêtre. Mais ce côté-ci, en tout cas, je compte y mettre mon bureau. Alors vous vous demandez sûrement combien on a ici au plafond. Alors ici, jusqu'au plafond, tel quel, on a 2m20. Il y a 2m20 ici, environ. Mon mari fait 1m80, donc j'avoue que c'est compliqué pour lui. Donc ici, il y a 2m20 au plafond. Alors, on a pour projet de laisser les poutres, vu que les poutres, c'est une question de stabilisation de la maison, on ne peut pas les enlever. Donc, on compte laisser les poutres en bois. Tous les murs seront blancs, ainsi que les plafonds. Donc, tout va être blanc. En fait, on va décorer seulement avec les meubles et tout ce qui est accessoires, etc. Mais tout ce qu'il y aura dans le grenier sera en blanc, Inch'Allah. Et donc, on compte mettre... Donc, les murs iront jusqu'au bout en pointe. Et les poutres seront apparentes. Et on aimerait bien mettre donc dans le bout, dans le coin, des jeux de lumière. Vraiment pour que quand on regarde vers le haut, ça ne s'arrête pas aux poutres, mais ça s'arrête vraiment visuellement vers le haut, ce qui fera vraiment un effet d'optique. Donc voilà ce que ça donne. Donc ici, environ, si je compte les mètres carrés, j'ai 30 mètres carrés environ dans la chambre parentale. J'ai environ une vingtaine de mètres carrés dans la petite chambre. Dans la salle de bain, j'ai environ 12 mètres carrés. Et puis le hall, j'ai environ 12 mètres carrés aussi. Donc vraiment des très belles... Des beaux espaces, surtout par rapport au bas. Alors là, je compte les mètres carrés vraiment avec tous les meubles encastrés. Donc avec les meubles encastrés, ce seront les mètres carrés en fait qu'on aura ici dans les chambres. Et donc voilà, ça c'est un petit topo de ce qu'on compte faire. On commence ce lundi, donc je ne sais honnêtement pas
si les vidéos vont se suivre ou si je vais attendre un peu. Mais je voulais absolument faire un petit topo avant de commencer parce que voilà, les choses vont changer. Et je crois que déjà la première semaine, c'est ce qu'ils vont faire, c'est tout vider. Et donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez d'autres idées. Mais voilà, les panels de couleurs ici, ça sera blanc et noir. Donc ça sera environ blanc et noir. Tous les murs seront blancs. Il y aura des accessoires en argenté. Et je compte décorer, donc tout ce qui sera luminaire, etc., sera en noir. Vraiment pour faire... respecter le style de la maison. Et donc voilà les filles, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, si vous avez des idées, n'hésitez surtout pas. Et voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Si le contenu de ma chaîne vous plaît, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et si l'aventure vous plaît, donc voilà, c'est une nouvelle aventure qui va commencer dans ce grenier. Il y aura plein de vidéos à venir. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour faire partie de l'aventure. Moi, je vous fais de gros bisous et vous dis à la prochaine sur ma chaîne. Au revoir.